Wesh les gars, ça va ou quoi? Putain, pourquoi je l'ai encore en espagnol? Bref, vas-y, vous allez bien? Moi ça va tranquille. Bon là c'est une vidéo qui m'énerve. Parce que le jeu... Non, même pas. L'équipe que je vais vous présenter les gars, première fois de ma vie les gars, que je fais une équipe originale qui pue la merde. Mais quand je dis qu'elle pue la merde, c'est genre abusé. Attendez, je remets en français parce que là c'est quoi ça? En vrai, je kiffe faire des équipes originales. Mais là les gars, je vais être obligé de jouer avec Martial Rodrigo, c'est pas possible. Ah non, non, non. 5 matchs, 5 défaites, ça m'est jamais arrivé. Regardez cette bande de trous du cul, je vais vous les présenter un par un. Bon bah le gardien de toute façon, c'est même pas lui, c'était un autre, c'était un gardien de MLS. Zach Steffen. Il est meilleur que l'autre bouffon que j'avais là juste avant, là, le boost. Je vais quand même vous dire qui c'était, je me rappelle plus du tout. Tellement il était nul à chier. Le v'là. Les gars, première fois de ma vie quand même que je vous fais une vidéo pour ça. Mais là c'est trop, je suis obligé de vous prévenir, c'est nul. Donc là ça me faisait une cohésion du futur, tu vois, vous avez vu l'équipe. Vous avez vu l'équipe qui pue la merde. Aaron Long. 80 de vitesse, il est dépassé. Ça va trop vite pour lui, tout va trop vite pour lui. Il est mal placé, je sais pas pourquoi. Nul. Opara, 88 de vitesse. Bon, il fait le taf quand même, je vais pas abuser. Mais il reste du temps. Kleber. J'avoue, je crache pas dessus non plus. Bon, il y en a deux les gars sur 11 sur qui je peux pas cracher. Kleber, ça s'envoie du steak. Mais je vais même le faire jouer sur ma prochaine équipe en défense centrale parce que c'est pas possible. Il est trop chaud. Théo Hernandez. En vrai, la défense, c'est même pas ça le pire. Théo Hernandez, ça faisait le taf, il est régulier, ça faisait largement le taf. Mais après le reste, les gars, on va la montrer complètement l'équipe. Ça pue la merde, c'est mal placé. Je joue en 4-4-2, hein, in-game. Tonali. Il est nul. Gravenberch. Je sais pas quoi la Gravenberch. 1m90. Tout le monde sur Twitter dit qu'il est chaud. Alors là, les gars, faut m'expliquer. Il était placé dans le néant du terrain, je sais pas, il était loin, il était pas rapide. Il a 83 de vitesse pour un milieu, normalement c'est bon. Il est nul. Il sait pas se placer, gros, il est tout le temps loin du ballon, on ne sait pas pourquoi. C'est nul. Pourtant, rendement du joueur, attaque-défense, moyen, moyen, éclaté au sol. Mertens, vu que je l'ai eu en premier détenteur, je me suis dit, allez, vas-y, je vais le faire jouer, ça va me faire des petites économies. Il va finir dans un SBC, les gars, je vous le dis direct. Non, mais il y a une carte du Turfu. Il est nul. J'ai fait 3 matchs de Div Rival, 2 matchs de classique pour me rassurer. Si tu vois, tu vois un match classique pour te rassurer. Bah non. Ah non, ça va pas. J'ai pris une branlée. Robben. 3 matchs, 2 buts. Quoi, 5 matchs, 3 buts normalement. Je vais rien dire parce que les gens vont dire: ouais, parce que t'es nul, tu sais pas jouer avec Robben. Peut-être. Mais il est éclaté au sol. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais m'en servir comme super sub pour faire rentrer à la 70e minute du coup, parce que bon, 150 000 crédits dans le HUC. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait, les gars. Il me faisait kiffer, mais je me suis fait arnaquer. Osimhen. Je parle même pas de lui, les gars, parce que... 3 matchs, 2 buts, ouais, normalement c'est 3 matchs, 3 buts, il marquait. Mais je le faisais jouer sur une aile. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, c'est ma compo d'équipe. Peut-être que c'est ma compo d'équipe. Insigne, inexistant. Une passe D, mais il était inexistant. Je sais même pas pourquoi je jouais avec lui. Éclaté au sol, d'ailleurs je vais leur rendre tout de suite. J'ai fait une mini vidéo pour vous prévenir, mais faites pas une équipe comme ça. Je voulais être original, tranquille. T'sais, je me suis dit, bah, ça fait chier de voir tout le temps les mêmes équipes. Moi j'aime bien faire des équipes originales avec les créatimes et tout. Bah là, ça pue la merde. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être faire un créatime, cette équipe pue la merde. Ça sera ça le nom. Créatime, cette équipe pue la merde. Créatime numéro 1 sur la récupération de cette chaîne. Ça me déprime. Franchement, 5 matchs, 5 défaites. Je crois que ça m'est jamais arrivé de faire 5 défaites d'affilée dans ma vie. C'est même sûr. Parce que même t'arrives à 4, tu lances un petit clash d'équipe pour te rassurer, là non. Donc les gars, je vous préviens, ne faites pas attention au gardien, c'est l'autre que je vous ai montré. L'équipe est belle en vrai, elle est originale et tout. Bref, les gars, passez une bonne journée, c'est l'Artsoft, on se retrouve pour des bonnes vidéos où on prend du plaisir. Bis sur la fesse.